Tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'eau de boulot, appelée aussi sève de boulot ou alors encore élixir de jouvence. Alors rien qu'avec le nom, c'est déjà prometteur sur les bienfaits que ça va avoir sur votre organisme. Alors, je vais essayer de faire la vidéo la plus complète possible, à savoir déjà quand est-ce qu'on peut prélever la sève de boulot, comment on fait, quelles sont les vertus pour le corps. Ah voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez complet. Alors déjà, quand est-ce qu'on peut procéder au prélèvement de la sève? En général, on commence à la fin de l'hiver, début du printemps. Il faut que le boulot ne soit encore pas en train de bourgeonner. Donc en général, ça correspond à la toute fin février, début mars. Après, ça dépendra aussi de la localisation géographique que vous trouvez. Bon, en tout cas, chez moi, c'est on va dire début mars. Quelles sont les vertus de la sève de bouleau? Alors déjà il faut savoir que la sève de bouleau elle est prélevée déjà depuis le Moyen-Âge, donc c'est quelque chose, c'est une pratique ancestrale, hein, on va dire, et donc les vertus elles sont multiples. Alors à l'époque on utilisait ça pour soigner tout ce qui était calculs rénaux, tout ce qui était problème de rein, de foie, puisque aujourd'hui on s'est rendu compte de donc l'action détoxifiante de la sève de bouleau. Donc c'est vraiment une action, c'est ça son rôle principal, hein. Elle va purifier le sang. Et en plus comme elle a une action diurétique importante, elle va donc nettoyer très fortement les reins. Donc après un hiver à manger des plats bien riches, et eh ben c'est vraiment très très efficace pour redonner un bon coup de fouet à l'organisme au printemps. Alors il y a d'autres vertus, hein, la vertu tonifiante, la vertu des bienfaits sur la peau, il y en a qui peuvent se faire même des soins pour les cheveux, enfin bref, les vertus sont vraiment multiples. Et il y a un deuxième rôle que je trouve moi extrêmement important, c'est la vertu reminéralisante. C'est-à-dire que la sève contient énormément de minéraux, d'oligo-éléments. Alors comme minéraux, il y a le zinc, le calcium, le potassium, le chrome. Enfin, c'est vraiment extrêmement riche en minéraux. Et au lieu d'aller à la pharmacie s'acheter des cures de toutes sortes, eh ben, allez dans la nature, procurez-vous un petit peu de sève de bouleau, c'est gratuit. Au passage, un litre de sève de bouleau, dans le commerce, c'est aux alentours des entre 10 et 15 euros. Vous allez voir qu'en quelques minutes, on peut économiser un petit peu d'argent pour ceux qui veulent faire du bien à leur organisme. Alors, côté matériel, vous allez avoir besoin d'une bouteille. Donc une bouteille, moi j'ai pris une bouteille d'un litre 5 classique, hein, bouteille du commerce. Il vous faudra un petit tuyau. Alors moi c'est un tuyau d'aquarium. Ça vaut 1,50€, hein, maximum. Moi j'y ai placé un seau, c'est pour que la bouteille quand elle est vide, elle tienne bien en place, avec au fond un galet à peu près propre. Voilà, pour que s'il y a un coup de vent, tout ne tombe pas lorsque la bouteille est encore vide au début. Il vous faut également une perceuse sans fil, à moins que vous ayez la chance d'avoir un arbre à proximité. On va réaliser donc un perçage dans le tronc. Alors pas trop profond, hein, 3 cm ça suffira largement. Alors s'il y a de la mousse comme sur le tronc là chez moi, vous pouvez en enlever un petit peu, hein, il n'y a pas de problème. Et il faut que le trou soit le plus propre possible. On va essayer de pas massacrer l'arbre pour récupérer un petit peu de sève. Alors faut savoir qu'au printemps le bouleau va produire énormément de sève, ce qu'on appelle la montée de sève, plusieurs centaines de litres par jour, donc je pense qu'un litre 5 ne devrait pas le déranger. Donc on va procéder donc au trou, c'est de faire ça à peu près proprement. Alors on vérifie la profondeur. Voilà, donc là on est à peu près à 3 cm. Voilà. Et on voit déjà
sans rien faire, ça suinte. Ça veut dire que la sève est déjà fortement présente. Il suffit ensuite de prendre son petit tuyau et de le raccorder à ce qu'on vient de faire. Alors, ne pas l'enfoncer jusqu'au bout, hein, comme ça c'est plus facile pour que la sève coule dans le tuyau. Et là, on voit que déjà, hop, la sève arrive. Alors, vous allez voir qu'en quantité, on arrive à pas loin de 4 ou 5 litres par jour. Pour un arbre qui n'est pas forcément énorme. Là, c'est un arbre qui doit avoir allez, une vingtaine d'années. Et pas besoin d'avoir un arbre excessivement grand pour le faire. Hein. Un arbre de 10 ans le fait sans problème aussi. Quoi d'autre sur le boulot? Ben, n'hésitez pas donc à renouveler l'opération tous les jours. En général, la cure dure environ 3 semaines, donc de fin février jusqu'à fin mars à peu près. Pour la quantité qu'on peut consommer, bon bah c'est variable. Pour ma part, j'en prends un verre le matin, tous les jours, pendant 3 semaines. Après, il y en a qui en consomment beaucoup plus, hein. Il y en a qui boivent leur litre par jour. Et personnellement, ils n'ont aucun effet négatif sur l'organisme. Bon, après, peut-être un verre par jour, se contenter d'un verre par jour, ça serait déjà pas mal. Alors, comment savoir si la sève est bonne à être consommée ? Alors c'est extrêmement simple, la sève de bouleau elle doit avoir un aspect comme de l'eau, donc extrêmement translucide, transparent, et dès lors qu'on va arriver au moment où le bouleau va bourgeonner, la sève va devenir un peu plus opaque, un peu plus blanchâtre, donc là c'est le moment d'arrêter de la prélever. De toute façon au niveau du goût, ça ressemble assez grossièrement au goût de l'eau, hein. Ça n'a pas un goût spécial. Et lorsqu'elle commence à avoir vraiment un goût, c'est que c'est le moment d'arrêter. Donc on va laisser donc la journée s'écouler, puis on reviendra ce soir pour chercher notre bouteille qui devrait être remplie. Alors pour conclure, n'hésitez pas à consommer de l'eau de bouleau à chaque printemps. Les vertus seront multiples pour votre organisme et les bienfaits qui vont les accompagner sont d'autant plus importants. Là, dans le cadre de la permaculture, comme chez moi, n'hésitez pas à mettre aussi un ou deux bouleaux dans votre forêt qui serait au nord de votre potager ou dans votre forêt comestible, puisque tous les ans, il va vous ravir de tous ses bienfaits. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est extrêmement simple, c'est gratuit, ça prend quelques minutes. Et ce sera votre corps qui vous dira merci. Allez, sur ce, à bientôt. Salut, salut.